Et bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur LVE. Et évidemment, je sais pas pourquoi, mais ça commence de traviole. donc, on va y arriver, je pense. Ah, ça commence bien. Bon, ben voilà, hein. Voilà, donc bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Cette fois-ci, c'est la bonne, c'est le début du live. On est ensemble pour, grosso modo, jusqu'à 23h30, quelque chose comme ça, pour l'avant-dernier live de 2022. Oui, parce qu'après, c'est... les congés de fin d'année et, ça fait pas de mal des fois de prendre un petit peu de vacances, pas seulement pour faire la méga teuf de fin d'année, mais aussi pour se reposer parce que ça fait pas mal. Donc ce soir, du Yu-Gi-Oh! Master Duel, parce que la flemme de chercher un autre jeu, enfin non, c'est pas seulement la flemme, il y a pas mal de facteurs qui entrent en ligne de compte, puisque évidemment je ne suis pas seul. Il y a Arnaud qui est là. Bonsoir Arnaud. Et bonsoir Raphaël. Voilà, c'est-à-dire que comme ton internet n'est pas au sommet de sa forme, ça complique les choses pour faire du sweater. Ben un peu, ouais. Voilà. Donc ce soir pas de sweater, mais ça va venir. Peut-être que le prochain live, donc dimanche, normalement, on fera peut-être du sweater ou il y aura peut-être un autre jeu Star Wars, genre Battlefront. Sur Paris, donc on pourra faire du sweater, ouais. Voilà, donc il y a moyen de faire quelque chose dans le prochain live. Ah ouais. Yeah. Quand je dis Battlefront, c'est Battlefront 2 de 2005. Hein. Le 5 janvier ? De quoi ? Oula, j'ai des gros non. Moments de lag, je suis pas Quand sûr. Quand je dis Battlefront 2, je parle de celui qui est sorti sur PlayStation 2. Celui de 2005. D'accord, ok. Maintenant, le vrai, je te suis. Le seul, l'unique. Il y en a eu d'autres, hein. Je suis désolé. Oui, non, mais ils ont repris la numérotation à 0. Ça n'a aucun sens. Je suis désolé. S'il y a un Battlefront 2, après il y a un Battlefront 3. Bon, il a existé, il a été annulé. Il n'a pas duré longtemps. Non, il a été annulé. Genre ouais, c'est pendant... ça, il a pas duré longtemps. Pendant plusieurs années, c'était un projet, hein. Et finalement, ils ont dit non. Non, on va pas... non, pas envie. Ça a été annulé, ça devait sortir sur PS3, et donc ça n'est jamais sorti. Donc j'ai dit ce soir, Yu-Gi-Oh! Master Duel... Du Yu-Gi-Oh! Master Duel, oh là là. Comme vous pouvez l'entendre sur le live désormais, d'ailleurs c'est peut-être un petit peu fort, bon je vais régler le son dans le jeu. Allez, on passe sur le live, hop, normalement, voilà, on est bon. Donc, oh là là, il y a... Ça se voit que j'ai pas joué depuis longtemps. Hein.
Là, il y a des alertes depuis, depuis le 14 novembre 2022. Voilà, tout est dit. Ah non, mais moi, c'est pareil. Hein. Attends, sondage. Oh, j'ai pas fait le sondage. C'est dommage. Alors qu'il y a des tickets à gagner. Voilà, bon, hop. Oui, je fais ça. J'ouvre chaque message parce que ça m'énerve de voir qu'il y a des notifications à chaque fois. Voilà. Ouais, je comprends. C'est, ouais. 14 novembre. Bon, en même temps, il y a un autre jeu qui est sorti depuis, quoi. Quel jeu ? Pokémon. Oh, il est bien ou pas ? Bon, faudrait qu'on fasse un live sur ce jeu, mais bon, comme j'ai pas de carte de capture, c'est chaud. Mais tu m'as pas répondu. Attends, j'arrive. Je vais répondre. La réponse est oui, mais. Oui, mais c'est-à-dire. C'est-à-dire. Le peuple demande davantage. C'est-à-dire, bah ça pour le coup, je pense que c'est un avis qui est assez partagé. Enfin, j'ai vu les lives. De nos confrères Étoile et Antoine Daniel qui ont joué aussi, qui disent que le jeu est dégueulasse. Mais c'est vrai, hein, il est dégueulasse, il est buggé de partout, il est pas fini quoi. Mais comme on aurait pu et dû s'y attendre. Alors que, enfin, ils ont eu du temps pour le faire quoi. Ça m'énerve. C'est pas eux qui ont fait. Si tu veux, c'est le retour de Game Freak sur Pokémon. Puisque le remake de Diamant et Perle, c'est pas eux qui l'ont fait. Oui, je me souviens. Mais d'ailleurs, il était pas beau lui non plus. Bah. Non, je l'ai vraiment pas trouvé beau. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il est pas. Il est pas magnifique, mais. En même temps, moi, ça me choque pas. Enfin. Dans le sens où. C'est un. Peut-être un petit peu trop bas maintenant. C'était assumé comme étant, comme reprenant vraiment les jeux d'avant. Et d'ailleurs, c'est un jeu de la 4ème génération, c'est pas un jeu de la 8ème génération. C'est vrai, c'est vrai. Alors que les précédents remakes, là où on peut dire que c'est dommage, c'est que les précédents remakes, ils étaient d'authentiques jeux de leur génération. Parce que Rouge-Feu, c'était un jeu de la 3ème génération. Heart Gold et Soul Silver, c'était des jeux de la 4ème génération. Il y a eu quoi comme remake ensuite? Horace. Ruby Omega Sapphire Alpha. Horace quoi? Ouais, voilà. Qui étaient eux des jeux de la 6ème génération. Qu'est-ce qu'ils étaient bien! Ah ouais, oh ah ouais, ouais, ouais. Excellent. Mais le remake suivant, donc qui aurait dû être un remake qui faisait partie de la 8ème génération, c'était un retour à la 4ème. Sauf que du coup, bah, ils ont pas fait. Ouais, c'est ça. Ils ont complètement séparé les deux trucs. Et d'ailleurs, moi qui jouais, qui ai essentiellement joué à la 8ème génération en stratégie, c'était vraiment à n'y rien comprendre. Ouais, non, je comprends ce que tu dis. Après. On pourrait dire que dans l'absolu, le remake de la 4ème génération qui fait partie de la 8ème génération, c'est Légende Arceus. Ouais, on pourrait. Ce qui serait partiellement vrai, d'ailleurs. Mais après, je serais plutôt enclin à pas considérer Légende Arceus comme un jeu de comme faisant partie d'une génération. Parce que ça me semble plus être un jeu genre. Alors, je dirais pas que c'est du même style que que Let's Play, Pikachu et Evoli, tout ça, mais c'est un peu un jeu spin-off, tu vois. C'est pas un jeu de la licence principale. Mm-hmm. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Alors que pour le coup, c'est un jeu spin-off qui rajoute tellement de trucs ultra stylés. Et bah, d'ailleurs, justement, c'est ça que j'allais dire. Mine de rien, Légende Arceus, ça a été un moment où ils ont pu tester l'open world dans Pokémon. C'est un open world limité, mais c'est un open world et il était vachement bien fait. Et c'est pour ça qu'il est frustrant ce jeu. Même s'il était moche. Oui, comparé à Épée et Bouclier, oui. Mais quand je dis ce jeu, je parle de. Raphaël. Écarlate et Violet, ouais. Je t'interromps deux secondes, mais il y a les tags duels qui sont disponibles maintenant. Oh.
Oh, c'est dommage qu'on n'ait pas Cyril. C'est dommage qu'on n'ait pas Cyril. C'est combat en équipe, ouais. Créer une équipe ou rejoindre une équipe. Ah, bon, déjà, on va faire une salle. Hein. Je vais te laisser créer la salle. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire, donc temps de duel, machin. Mais tu te rends compte, genre, il y a les duels en équipe maintenant. Ah, c'est bien ça. Ah, ça va être incroyable. Il nous faut une quatrième personne et on va se faire des trucs, mais de fou. Donc là, il faut que deux viewers arrivent pour qu'on fasse du tag duel. Exactement. Effectif maximum, on va mettre 4 résultats. Alors, attends. On découvre un nouveau deck que je vais pouvoir tester. Je sais pas si je vais pouvoir. Bon, déjà, je vais t'inviter quand même. Hein. C'est gentil. Je dis pas non. Hop. Mais. Alors. On peut pas régler la salle, visiblement. Il faut avoir une équipe. Ah, pour les combats en équipe, tu veux dire? On dirait bien, ouais. Oui, je pense qu'il faut avoir une équipe. Salut, Krundor. Yo, même. Et voilà, je suis arrivé. Tu es là? Oui, je te vois dans la salle. Et bon, je vais tester mon nouveau deck, du coup. Enfin, nouveau. Il est pas si nouveau que ça. Bah, est-ce que ça va bien comme... Comme un soir mercredi. un soir un petit peu hivernal où je suis enrhumé comme pas possible. Donc oui, ça va bien quoi. Et franchement, ça s'entend pas. Hein. Je sais pas comment tu fais pour pas l'entendre. J'ai un délai. Voilà. Parce que j'ai quand même la voix cassée un peu. Et je sniffe un petit peu. Comme un charme. Oh, c'est mignon. Je me porte comme un charme, tout à fait. Non, c'est pas vrai. C'est pas que je t'attends pas, mais je t'attends quand même, tu vois. Ah oui, pardon. Attends. Je jette juste un œil au deck pour voir s'il est complet. Alors, Arnaud, je t'annonce tout de suite que le deck avec lequel je vais jouer, je n'en suis absolument pas certain. Moi non plus, hein. Ça tombe bien. Il n'est pas tout à fait nouveau. Mais j'en suis moi vraiment pas sûr. Eh ben, on est parti. On est parti alors. Ah ouais. Alors, je dis un mot au chat, hein, parce que. Donc, t'as téléchargé le jeu la semaine dernière. Donc, tu fais partie de ceux qui nous ont amené à 50 millions de téléchargements et qui permettent d'avoir les récompenses. Déjà, merci d'avoir permis ça. Hein. Parce que comme ça, on n'a pas à payer. C'est très gentil. Ah ouais. On est sur une main. Ok. Eh ben, quand tu vas lancer l'appli, tu poses ton appareil, quel que soit si c'est téléphone, Switch ou ordinateur. Tu le poses à côté de toi pendant 2 heures, tu n'y touches plus, et après tu peux jouer. Avec toutes les mises à jour, c'est un peu chiant. Oh. Non, je dis 2 heures, je déconne. Bah, enfin, ça dépend de la connexion internet. Quoique, ça avait pris un peu de temps quand même. Quand j'étais venu chez toi et que j'avais installé, ça avait pris un peu de temps. Ouais. Alors. Ça marche pas ? Oh putain, je suis un connard, j'ai pas lu. J'en ai marre que quelqu'un m'achève. Je suis là pour ça, je te rappelle. Non, mais j'ai vraiment pas lu en fait, c'est ça qui est terrible. Et je viens de cramer mon. Oh, oui, carrément. Ah non, si pas lui. Ben oui, mais là, il va servir à rien, en fait. Je m'en fous, pas lui. Oui, genre, Yu-Gi-Oh! A beaucoup évolué, ça, c'est clair. J'ai vraiment fait de la D. Ouais. Oui, bah déjà, je vais faire ça. Bah, c'est ton deck Blue Eyes, quoi. Oui. Mais. T'es pas prêt pour ce qui va arriver. Hein. Tu t'es arrêté au Link? Bah, c'est bon. Les Links, c'est la dernière. Y'a rien eu. Y'a rien de plus.
Enfin, il y en a plus maintenant, mais il n'y a rien voilà, d'autre de différent, je veux dire. Non, mais les pendules, de toute façon, c'est... Moi, j'aimais bien. Oui, non, mais c'est toi, faux. Non, mais toi, c'est t'es pas normal. J'ai commencé à apprécier après le fait. Ah, c'est gentil de pas m'attaquer, du coup. T'y crois vraiment? Bah, je sais pas, je me disais, maybe, tu vois. What? Qu'est-ce que tu fais? Mais les synchros, en même temps, c'était la vie. 5-10, c'est génial. Alors... D'un côté, je suis d'accord. De l'autre... Les synchros de l'époque de 5-10, bon, c'était pas oufissime, tu vois. Oui, oui, ça a évolué. On avait pas masse de choix. Il y avait genre un deck qui était incroyable et tous les autres le qui étaient un peu... Bleh. Le deck bon, synchronique, il était excellent. Ça, c'est clair. C'était même pas à lui que je pensais, tu vois. Tu pensais à quoi? En vrai, j'exagère, il y avait plein de decks de cette époque-là qui ont été vraiment, vraiment incroyables. Bah déjà, le deck Lapin Sauveteur. Ah oui, Lapin Sauveteur. Chat Sauveteur. Le deck Chat Sauveteur. Ouais. C'était une dinguerie hein, à cette époque-là. L'époque synchro Télédad aussi. Oh là là. Monstrueux. Qu'est-ce qui était monstrueux aussi à cette époque? Le deck Enfernité. Oh, qu'est-ce que c'était une plaie ce deck. Ouais. 2011, le deck Enfernité. Insupportable. Eh, au moins je suis pas mort. Maybe j'aurai l'occasion de tester un peu plus mon deck comme ça. Not yet. Le deck Morphtronic, il était marrant. Je l'avais fait aussi. Mais... Franchement, à l'époque, il était pas ouf. Hein. Il était pas excellent, mais. Oui, oui, c'est ça. Dragon Armée des Ténèbres, Dad, c'est une. C'était horrible. Et puis quand il y a eu. Ouais, c'était encore à l'époque des synchros, là. Dragon. Ah, oh, tu sais, les dragons Chaos, là. Ouais, Chaos Dragon, ouais. Ouais, où tu le combinais très bien avec Dad. Donc, Dragon Pulsar de Lumière. Voilà, c'est ça. Dragon Pulsar de Lumière et Dragon. Dragon des Ténèbres, j'ai oublié son nom. Mais. Ça, c'était absolument pété. Je me souviens plus de son nom non plus. Mais c'était des bons decks, hein. C'était vraiment pas mal, cette époque-là. Et celui-là, pour le coup, il a été bousillé par les banlists. Les decks Chaos, en général, ils sont fait bousiller par les banlists, de toute façon. Tac, ok. Non, et puis, les synchros ont beaucoup amélioré le deck 6 Samouraï. Et Arnaud, je pense que tu peux t'en souvenir, puisque j'avais moi-même fait un deck 6 Samouraï à ce moment-là. Ah oui, je m'en souviens très bien. Un peu trop bien, même. Il okay. était meilleur que le deck... Enfin... Ah, c'est des souvenirs de... De lycée, quoi. Où, Gladiateur et Seigneur Lumière, c'est plus vieux. Hein. C'est GX. Oh mon dieu, les decks Gladiateur, c'était une des meilleures choses que j'ai connues. Ouais, j'ai de mauvais souvenirs avec ce deck, mais bon. Ça tient plus à l'utilisateur de ce deck que j'ai connu. Ouais, vas-y. Je sais pas trop ce que ça veut faire. Mais... Bah, si t'es un vieux gars, nous aussi on est des vieux gars. Hein. Faut pas dire des choses comme ça. Non, c'est vrai. Puis y a pas de mal, ça s'appelle avoir de l'expérience. Ok. Je sais pas trop ce que je suis en train de faire parce que là, franchement, j'avoue, je maîtrise plus ce deck depuis si longtemps. Donc, j'étais bien parti au début, mais là, je suis en roue libre. Hein. Concrètement, ça va être de l'ordre du je suis mort là, en fait. Ah, les demoiselles de fortune, ouais, c'était pas mal. Hein. Oh, je l'ai tué. Oh, j'ai tué un monstre ennemi. Oh, la fierté. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette chose? Voilà. Ah oui, d'accord. Okay. Genre comme ça. Puis...
Je vous. Alors, je précise que ça fait 3 plombes. J'ai pas joué le deck prophétie, mais genre vraiment 3 plombes. Et en vrai, je vais le changer. Enfin, je vais changer de deck parce que Allô? je me réhabitue. Yo Ouais, Cyril! Cyril! Yo! Tous en cœur. 3, 4. Ok, on va prendre un autre deck. Plus marrant celui-là. Bon, Cyril. Oui? Tu es revenu de Je suis d'outre-tombe. en fait, De j'avais retour! complètement zappé que c'était ce soir. Je pensais que c'était demain soir et du coup, j'étais en train de traîner chez Wendo. Ah bah d'accord, tu vas voir la concurrence. J'apprécie. Non, t'as Non, raison. c'est juste que je suis dans une bulle. Du royaume des ombres, ouais, c'est ça. Alors du coup, j'ai ouvert mon Steam là parce que j'hésitais, je voulais jouer à Cyberpunk. Et t'as vu qu'on était, t'as vu que j'étais dessus et tu t'es Bah en fait, dit. voilà, j'étais en train de regarder le côté du le côté de l'écran Twitch, quoi. Ouais, je vois. Comment ils appelaient le royaume des ombres en japonais? Merde, je me souviens plus. Donc ouais, notamment, on était, j'ai entendu, il y avait un react sur la dernière vidéo de Louis San Ah. sur une question qu'on a traitée, bah, c'était en c'était en L1, deuxième semestre, quoi, la question des questions, alors qui n'était peut-être pas très connue, Pudaku? mais qui ouais, c'est ça, les Burakumin. Donc basiquement, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'équivalent des Dalits en Inde. Et pour ceux qui connaissent pas les Dalits en Inde. Bah, les Bulakuming, c'est des parties de la population japonaise qui. Je vais le mettre dans le chat, hein, le mot. Les Ils sont Bulakuming. noirs? Non, Non, justement. ce sont des gens qui, alors qui sont exclus, notamment, alors c'est principalement à cause de leur métier. Voilà, c'est ça. Donc, Soit parce que des anciens. leurs Des métiers tanneurs. sont en rapport avec. Avec des matières sales, donc parce que dans le shintoïsme, il y a ce Et qu'on la appelle mort. le kegare, donc la souillure. Et donc, bah c'est pour ça que dans les Burakumin, on va retrouver des gens comme les croque-morts, les bourreaux, les tanneurs, les bouchers. Et on y met aussi. Alors en fait, ça c'est les Eta, donc c'est les personnes souillées, littéralement. Après, il y a les Hinin, donc les non-humains. Chez qui on va retrouver des catégories comme bah, les prostituées. Et donc, Et juste pour les rappel, c'est comédiens aussi. des franges de la population japonaise. Hein. On parle bien des Oui, Japonais bien ici. sûr, ouais. Hein. Voilà. Non, mais C'est parce un peu que. méchant quand Dans... même. Ils ont besoin. De... Bah oui, non, mais en fait, les Bulakumin, en fait, ça vient de la stratification sociale du Moyen-Âge. Hein. Oui, C'est bah c'est une ce que réminiscence disait de Louis l'époque San. médiévale. Hein. Oui, parce que là, Louis San remonte au 6e siècle. Aussi loin Ouais, que ça? ça trouve ses racines au 6e siècle. C'est un peu, je suis un peu dans la merde là, non? Ça me paraît un peu lointain quand même le 6e siècle, mais bon. Ouais, alors parce que je crois que c'est parce qu'il remonte justement la naissance du Shinbutsu Shugo, donc le syncrétisme Bouddha et Camille. Les poissonniers, non, je crois qu'il n'y a pas les poissonniers. Je Non, en crois qu'il n'y a pas effet, les c'est une poissonniers de chose poissons. dont parle assez bien Louis Sam. Il parle du fait que dans cette catégorie, dans ces populations, on ne trouvera pas les poissonniers alors que c'est pratiquement la même chose qu'un boucher, mais avec du poisson. On ne trouvera pas les soldats alors qu'ils côtoient le principe même de leur métier, c'est de côtoyer la mort. Ah bon? Ah dingue. Est-ce que c'est un bail du genre, ça dépend de dans quelles conditions tu côtoies la mort? C'est pas dit, mais peut-être. Qu'est-ce que je vais faire contre ce truc? Non destructible le combat. Ah ouais, relou! Bah oui, il est fait pour l'être. Ça fait fort longtemps que j'ai pas joué. Ok. Est-ce que je peux le gérer? Normalement, je peux le gérer. Ouais, mais il y a 10 mecs à 3000 d'attaque. Eh, c'est compliqué la vie! C'est fait pour. Genre, tu me rends pas les choses faciles, mon type. Oh, fusion chevalier j'aime! Bon, et bah. Ouais, mais du coup, je t'ai dit quel deck je joue, du coup. Ah, j'ai Qu'est-ce qu'on gagné. fait?
Protège carte, dragon à 5 têtes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a? Cyril, qu'on la translittération, oui, de Bulakuming, on le fait en un seul mot ou toi tu mets un trait d'union entre Bulaku et Ming? Moi, j'ai toujours vu en un seul mot. Alors, ouais, peut-être des fois, j'ai vu Ming séparé, mais. Ok, ça se tente. Non, maintenant, il y a. Enfin, le statut des Bulakuming, c'est. D'ailleurs, je vous le mets en japonais. Pour, bah, officiellement, il y a plus, c'est plus dans les politiques d'État. Officiellement, c'est comme disait Louis-San, l'État c'est une chose, le peuple c'en est une autre. Ou comme une de nos professeurs experts en droit dirait qu'il y a, on appelle en termes de droit une égalité dans les faits, dans la loi, mais une inégalité substantielle qui est maintenue par un certain nombre de stratagèmes, notamment des annuaires généalogiques. C'est ça. C'est ce qu'il faut avoir à l'esprit en fait quand on parle des Bulakuming, c'est qu'il y a eu un état de droit en fait de réelle exclusion sociale de ces personnes-là pendant des siècles qui a été renforcé par l'époque Tokugawa, donc du 17e siècle. Non, c'est pas les habitants des hameaux. Ah, moi, c'est. Enfin, non, ça, c'est. Enfin, c'est comme ça que j'ai. C'est la. Ah bon? Si. Traduction, j'ai souvent eu ça, les. Ah bon? Les gens qui vivent dans les hameaux. D'accord. Oh, ça marche. Bah, regarde, j'ai mis les kanji. Voilà. Le bou, le premier caractère, bou, c'est. C'est section, morceau. Partie. Daku, c'est le Daku de. Otsiru. Non, c'est pas Otsiru. Ah oui, mais presque. Okay. C'est pas le caractère qui veut dire tomber. Mais... Est-ce que j'ajoute un moment du coup Les ruraux, non, bah non, justement, parce que les gens. C'est pour ça que non, quand tu dis, Cyril, les habitants des hameaux, c'est un peu limite, quoi. Ouais. Non, c'est pas. Non, parce que par exemple, rural, être agriculteur, du coup, c'est. C'est important. Bon, c'est même la deuxième caste la plus prisée. Et les samouraïs? Hein? Ah alors techniquement ça doit être les lettrés, mais on a dit non, mais en fait les lettrés c'est les samouraïs. Le samouraï c'est le monsieur devant le temple, hein. Littéralement, enfin si on prend le caractère. Oui c'est ça. Oui c'est Hito. Donc c'est littéralement Nimen, c'est un paladin. Ouais un paladin dans l'absolu, mais enfin bon c'était surtout des seigneurs. Arnaud t'es chiant. Pourquoi qu'est-ce t'arrives que à t'en sortir? Pourquoi tu m'accuses? Parce que je le constate. Mais c'est toi qui es occupé à parler, moi je joue, tu vois. Bah oui, mais je fais les deux. J'avais pas un truc trop stylé. Ah ouais, c'était cette carte-là. Enfin bref, okay, donc la situation des Bulakuming, c'est... Enfin, tu fais bien de dire qu'on en a un tout petit peu parlé en licence de japonais, mais vraiment un tout, oui, tout petit peu, hein. Un semestre, quoi. Non, même un cours. Merci, c'est mieux déjà. un cours ou deux, mais bon, du coup, on a réussi à entendre parler grâce la à ça. D'un PDF, ouais. De la Ligue de Libération des Bulakuming, alors de sa prédécesseur, la Suiheisha. Donc, dès la période post-Edo, il y a une mouvance de libération de la période post-Edo, c'est à partir de 1868, hein. Pour ceux qui n'ont, oui, voilà, pas les dates Meiji, en tête. Alors c'est peut-être plus sous l'ère Taisho la Ligue de Libération. Ouais, enfin en tout cas peut-être c'est après même Showa deuxième partie. Showa deuxième partie, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale. Après guerre, ouais. Non mais quand même, parce que nous on connaît l'histoire du Japon, mais oui. C'est pas le cas de tout le monde. Merci les enfants de penser à moi, c'est gentil. C'est avant ou après Sekiro. Non mais moi tu vois, je me serais dit la même chose. Je me pose exactement la même question, tu vois. J'ai pas la rêve, j'avoue. Sekiro, alors c'est un jeu assez récent, qui est donc l'avant-dernier Soulsborne, l'avant-dernier jeu du studio From Software. Avant qui est donc le studio qui est connu pour Dark Souls. Non mais Bloodborne, Arnaud, tu Demon's vas me Souls, faire un OTK. Puis maintenant.
C'est honteux. Je sais pas si je peux attaquer. Parce que la dernière fois, j'avais eu un bug où j'avais mal lu mes effets, je sais plus trop quoi. Du coup, je sais pas trop si ça va marcher. Mais si ça marche, oui, c'est un OTK. Mais du coup, là, le dernier From Software, c'est Elden Ring. Que j'apprécie beaucoup plus parce qu'il a pas du tout la même DA que Dark Souls, quoi. Moi, il y a 10 ans, il y avait un mec qui me disait « Ah, vas-y, joue à Dark Souls, c'est trop bien. » Je lui dis non. Moi, je voulais même pas voir. Moi, je voulais même pas voir le truc, en fait. J'étais encore dans mes choses. Mais après, j'ai vu la DA de Dark Souls. Je dis « Non, pourquoi les gens jouent à ça ?» Puis j'ai vu la difficulté de Dark Souls. « Pourquoi les gens, ils jouent à ça ?» Ah, j'ai fait une connerie. Moi aussi, j'avais fait une connerie, d'ailleurs. Et quand je disais renforcé par la période Tokugawa, ça veut dire la période qui va de 1600 à 1868. Voilà. Comme ça, on a toutes les dates, à peu près. C'est ça. Bah, on a les... Oui. Oui, attends, on est d'accord. Edo Jidai, c'est 1600-1868. Alors, ouais, il y en a qui vont dire 1603 parce que ça commencerait qu'à partir de la bataille de Sekigahara. Voilà. Ce serait la vraie victoire de Tokugawa Ieyasu sur le reste du Conseil des Cinq Anciens. J'ai un peu fait une bêtise, je voulais pas faire ça, mais c'est pas grave. Alors... Du coup, c'est pas un OTK, et peut-être je vais perdre. Alors... Chaud. Ok, alors. Équipe, Mickaël, Sal. Je suis vraiment toujours en train de tester là, c'est galère un peu. Alors là, pour le coup, je vais avoir du mal à répondre à la dernière remarque dans le chat, j'avoue. Bon. C'est quoi la dernière remarque dans le chat? Donc, qui parle de la China et du folklore japonais, de l'époque. Bah, je crois que c'est celle qui parle de. Ah, ça parle de la China et du folklore japonais, les invasions de Mycènes. Ah, d'accord. D'accord. Ouais, je vais faire ça. Parce que, ouais, peut-être un jeu sur le lore samouraï que j'aurais bien testé, c'est Ghost of Tsushima. Bon, à la place, j'ai regardé le Let's Play de Bob Lennon, que j'ai même pas fini d'ailleurs. C'est pas grave. Et bon jeu qui parle d'une période assez peu connue aussi. Ah merde, je suis content, j'aurais pas dû faire ça. Parce que peu de gens le savent, mais oui, les Mongols sont allés jusqu'au Japon. Ils ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Des gros problèmes. Ils n'avaient pas de station météo efficace. Et gros, ça y est. Ouais, il y a moins que ce soit fini, genre. Oui, gros misplay. Là, j'ai pas de counter. Ouais, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Après, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué que je vais m'autoriser à faire de la merde une fois de temps en temps ou deux fois de temps en temps. Mais j'avoue aussi, ce deck, son problème, c'est que si tu sors pas tous les gros couteaux directs, si t'as la ref, je te respecte. Ziak ? Oui. Je savais que t'aurais la ref, Siri. Ah putain de merde, j'en ai trop marre. Arnaud, tu sais qu'il faut pas passer ton monstre en mode défense quand il y a Chaos Max en face. Mais je sais que ça sert à rien, mais c'est comme ça, tu vois. Comme ça. Ça, c'est les vrais couteaux. C'est quoi ça? Mais ça, c'est à Huawei, hein. Non, bah, de toute façon, j'ai gagné. Gna. Ça se la pète parce que ça... Ouais, ça double les dégâts. Oui, c'est pour ça que je te dis, faut jamais mettre un monstre en mode défense contre Chaos Max. Ouais, mais moi je sais pas lire les cartes, du coup tranquille, tu vois. T'as raison, j'aurais dû mettre le jeu en japonais. Bon. Bon, bah ça fait bizarre hein, de perdre autant. Non, moi c'est mon quotidien dans ce jeu. Non, Cyril, c'est pas vrai. Puisque t'avais réussi à monter jusqu'à Gold, je crois. Ouais. Ah ouais ? Mais en perdant. Coup, c'est vrai qu'à une époque, j'arrivais à gagner. Voilà. Là, je sais plus, j'ai perdu mon talent.
Je change de deck. Non, tu fais ce que tu veux. Hein. Moi, je me réhabitue à jouer. Je soumets ça au vote à la fois dans le chat et. Moi, je réapprends à jouer à Yu-Gi-Oh! Hein. Moi, faut pas trop me poser de questions pour l'instant. Je suis mauvais. Bon, allez, je vais jouer celui-là. Ah, les nordiques, les dieux nordiques, c'était tellement bien. Je l'ai fait IRL ce deck. Faut que je termine les let's play de God of War Ragnarok. Il faut que je commence à essayer de jouer à God of War Ragnarok. Moi, j'aurais pas la place sur mon PC. Puisque tu parles des decks rétro, de toute façon, il est nul pour un PC. Le tien aussi. Merci de dire que je suis un homme de goût. C'est peut-être Cyril ou c'est peut-être Arnaud, je sais pas. Puisqu'on est trois hommes, donc si tu dis vous êtes un homme de goût. Ça doit être Cyril, puisqu'il parle de God of War Ragnarok. C'est ce que je viens de me dire. Bah attends, j'ai dit que j'ai fait le deck Dieu Nordique IRL. Bon. D'ailleurs, en vrai, enfin. Je trouve que les représentations des dieux nordiques sont... merci. Dans le deck, sont... Enfin, ils sont jolis, quoi, je trouve. Oui, alors, oui. Historiquement, moi, je savais pas, mais c'était un pote qui m'avait appris, et c'est un peu confirmé il y a quelque part, mais en fait, Thor, c'est peut-être un des dieux les plus éclatés. Surtout, c'est le dieu le plus con. J'ai mis un 0 de trop. J'ai mis... Oui. J'ai mis 20 000 22. Oui. De 222 plus moins 22. Ah pardon. Mais ouais, Thor, c'est un dieu con en fait. Arnaud, je t'attends pour le prochain duel. Hein. Ah, mais tu veux pas jouer avec Cyril? Mais Cyril est pas dans la salle. Ah, bah je la cherche en fait. Ah, bah attends, je vais te l'envoyer. Mais fallait dire que. Moi, je suis en train de réapprendre. Hein. Ton The Bla, mais j'ai pas d'invitation de ça. Pourquoi tu critiques les blases des gens? Mais moi j'ai rien dit sur les blases, moi j'ai juste dit que je l'avais dans ma liste mais que j'ai pas de salle associée. Enfin, je crois pas. C'est bon, je t'ai envoyé une invitation. Un duel entraîné. Ah voilà, attends. It's time. Ah bah tiens, bon bah je reste avec mon deck de base que j'ai pas touché depuis des mois. Ben voilà. Donc ça c'est bien ça. Ok, on va tester, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais m'adresser à tous les nostalgiques des vieux decks. J'utilise peut-être l'un des decks qui rendent le plus nostalgique de tout le lore Yu-Gi-Oh. Voilà, c'est dit. Comment on joue à Yu-Gi-Oh? Attends, ah oui, c'était c'est Usul qui a inséré une vanne Yu-Gi-Oh dans son dernier OLG. Alors qu'en plus, c'était Magic. C'était même pas Yu-Gi-Oh! Le nom de la carte. Ça venait de Magic. Franchement, j'ai quitté, j'étais en mode 0. Pourquoi tu mens? Il s'est giga planté, donc. J'avais pas ouais, mais après, c'est pas grave, tu vois. Genre, Non, et mais c'est du même niveau que moi qui mets 20 000 22 au lieu de 2022, quoi. Oui. Voilà. Attends, mais pourquoi il a fait ça? Oh! Je viens de comprendre comment jouer à Yu-Gi-Oh! Les enfants! Mais Arnaud, je viens de découvrir un truc, c'est une dinguerie. Mais en fait, là, t'es en train de faire un autre duel. Quoi? T'es en train de faire un autre duel, c'est ça? Là, je suis en train de regarder un mec qui joue le deck Prophétie, mais genre version 2022. C'est-à-dire le deck que je suis en train d'essayer d'apprendre à jouer parce que c'est à la base c'était un de mes decks préférés. Je sais pas si tu te souviens Raphaël, mais à l'époque où ces cartes sont sorties, déjà elles coûtaient ultra cher, mais j'étais archi à fond pour faire ce deck. Et du coup c'est un deck que j'ai joué hardcore sur Yu-Gi-Oh! Pro à l'époque. Oh, et vraiment j'adorais ce deck. Quoi? Ça remonte Yu-Gi-Oh! Pro. C'est toujours utile, hein, c'est toujours utile, c'est toujours actif. Et du coup, ouais, j'ai vraiment saigné le deck Prophétie, mais d'une force. C'était incroyable. Et du coup, là, tu vois, vu qu'il y a le deck de structure qui est sorti, je me suis dit, vas-y, on va retenter.
Sauf que turns out, je suis pas très bon parce que c'est un deck très combo heavy, Alors. mais combo heavy, mais qui spamme pas beaucoup de combos, tu vois. Enfin, qui spamme pas beaucoup. Ah, je sais pas si je me fais comprendre. En gros, il est très combo heavy, mais il faut maîtriser les combos, quoi. Il faut maîtriser le jeu. Et moi, je maîtrisais pas trop trop. Alors juste, Comme thème. Yu-Gi-Oh! Pro, c'est un vieux jeu Yu-Gi-Oh! Qui est sorti il y a assez longtemps. Critique pas. Non, non, mais c'est une question qui est posée dans le chat, c'est pour ça que je réponds. Critique pas. Et qui. Il tourne toujours, tu m'as dit, Yu-Gi-Oh! Pro? Oui, il tourne toujours. Cyril, ça sert à rien. J'ai activé un pour un. Pour rappel, un jour de paix, pardon, un jour de paix. Cercle magique, là. Est-ce que quelqu'un peut ou Non, c'est est-ce un que jour de quelqu'un paix. peut allumer le stream parce que je vois rien? Je suis Ah. occupé sur, je suis occupé à retaper mon deck en fait. Bah, va sur Twitch. Mais c'est relou, tu veux faire planter ma connexion? Non, non, c'est bon. Ah, le gars qui est vraiment mais de type pas très gentil ce soir. Mais c'est bon! Je t'ai mis le stream. Oui, j'ai vu, c'est gentil. Oh! You're welcome, Cyril, tu veux que je sir. te dise ce qu'il a en main? Ouais. Ah non, Non. ça se fait pas, c'est l'anti-jeu. Il va me détester après, il va me dire, vas-y, c'est bon, je coupe le stream. Capsule de monstre, c'est vrai que c'était marrant. Ça me Attends, rappelle tu une peux vanne activer cette salle même ignoble. si tu prends pas d'attente? Racontée dans les grosses têtes que je peux pas raconter ici. Bah forcément, si c'était dans les grosses têtes. C'est pas Attends, mais du calibré pour coup, la FM. barrière héroïque, tu peux l'activer à n'importe quel moment? Oui. Ouais, mais du coup, ça sert plus à rien. Mais Voilà. capsule de monstre, je l'ai, enfin, je l'avais vu passer à la télé, donc il y a un certain nombre d'années. Mais en même temps, dans mes souvenirs, c'était, ça passait assez peu. Mais Donc, t'as dit après, quoi? ah bah. J'ai pas compris ce que t'as dit. Bah, je réponds Crundor dans le chat qui parle de capsule de monstre en demandant si on avait vu. Pour ma part, j'avais vu. Ah oui, merde, je suis déjà en main phase 2. Et je trouvais que c'était sympa parce que ça changeait un petit peu, mais en même temps, si tu veux, c'était diffusé dans le même temps que GX était déjà sorti. Donc ça faisait. Je sais pas, c'était un petit peu dommage, je trouve. Ils auraient dû vraiment en faire quelque Change pas un chose. truc. Et Non, je puis. suis d'accord, c'était un peu une occasion manquée, j'ai trouvé Ouais. aussi. Bah, c'est comme l'épisode avec Duke Devlin, dont j'ai oublié le nom original là. Tu sais, avec le duel de monstres DD. Ça, c'était vachement cool. Oh, c'était novateur, en tout cas. Ouais. Et ça, pour le coup, ils l'ont pas du tout exploité. C'est dommage. Il y a eu un jeu sur Game Boy. Game Boy Advance. Et à part ça, je crois qu'il n'y a pas eu Ah, oh, il est grand-chose. trop fort. Le dé trou noir. Quoi? Non. Si! Si, c'est vrai! Si, oui! C'est 4 épisodes seulement de l'animé. C'est dommage. Enfin, Oh, l'animé j'ai et oublié cet effet-là. le manga aussi, je crois. Attendez-moi, il faut que je regarde le duel. Ouais, c'était génial. Je sens qu'il y a un Et truc. puis, puisque je parlais du Oh non, manga, toujours pas. quitte à faire une suite à Yu-Gi-Oh!, je trouve qu'ils auraient dû adapter Yu-Gi-Oh! R. Moi, je trouve pas. Ah bon? Oh, je rigole. Donc Yu-Gi-Oh! R où il y a les dieux maléfiques. En gros. Bon. Non, non, Recalque, c'est vraiment une saison de l'animé, c'était pas dans le manga d'ailleurs. Et c'était tellement bien. C'était génial. Yu-Gi-Oh! R, c'est vraiment un arc supplémentaire du manga. C'est vraiment un arc supplémentaire qui a jamais été adapté en animé, ou en tout cas à ma connaissance, jamais. Jamais.
C'est en dehors de la timeline Yu-Gi-Oh! Classique. Fais confiance à mes connaissances. Ah, je te fais confiance en la matière. C'est un petit peu comme Capsule de Monstre, hein, d'ailleurs. C'est en dehors de la timeline Yu-Gi-Oh! Ah, c'est dommage que cette carte-là soit plus qu'en un seul exemplaire parce que je l'aurais bien spammé. Vilain garnement. Ouais. D'ailleurs, en parlant de timeline Yu-Gi-Oh, des fois je me demande où se situe GX. Nulle part. Ouais. Hein. C'est un peu le problème. Je suis pas contre GX, hein, mais voilà quoi, c'est très compliqué. Ah, mais ne reparle pas de ce moment tragique où Takahashi Kazuki est mort. On a fait tout un live là-dessus. Ouais. Si tu veux aller le retrouver, tu peux d'ailleurs. Hein. C'est très cool. Il est sur la chaîne YouTube. Ce serait bien de faire passer un lien parce que vu le nombre de vidéos sur la chaîne YouTube, il pourrait se perdre le pauvre. Oui. Certes, j'en conviens. Je vais me charger de ça. Non mais il y a pas de bot, hein, c'est pas la peine. Mais c'est surtout le lien vers la vidéo. Je vais le mettre. Mec, il est en train de spammer son terrain, mais d'une force. Oh, ah bah. Respect. Ouais. C'est ça le deck magicien sombre aujourd'hui. Ah, le coup de ouais. Oui, je sais. C'est comment... un coup bas. T'entends comment il se justifie, Cyril? Ouais. Du coup, j'ai plus rien. Là. Bon, par contre, le live hommage à Takahashi Kazuki, il a planté à peu près à la moitié du replay. Voilà. Oh non, t'es pas sérieux? Si. Mais c'était un gros lag de la connexion. Enfin, Arnaud, tu sais que nous étions dans un lieu où la connexion internet n'est pas celle que nous avons à Paris. C'est vrai. Parce que on était au fond du 7-7. Oui, ah oui. 7-7. L'endroit où on a besoin d'avoir les transports en commun gratuits. Oui. Buster Blader, ça fait un deck à part. Hein. Pour moi, Buster Blader, c'est difficile maintenant de jouer avec Magicien Sombre, mais c'est sans doute faisable. Bah, tu peux jouer la carte Buster Blader avec le Magicien Sombre, mais c'est vrai qu'ils ont vu l'archétype qui le rend beaucoup plus stable. C'est mieux de jouer directement l'archétype. Hein. Voilà. Je l'avais fait dans le jeu Switch, le deck Buster Blader. Pour le coup. L'actuel, hein. Pas l'ancien. Enfin, actuel. Oui, j'y suis relativement mort. Ah, ça, je m'en fous. Mais ça, c'est intéressant. Ouais. Un X6, il fallait bien que ça finisse par arriver, cette merde. Ça aussi, c'est intéressant. Ok, eh ben, on est pas mal, là. On a un peu plus de protection. Bon. De protection, maybe. Je pense qu'on va arrêter... Les frais. La torture ici, Cyril. Oui. Bah, en même temps, le magicien illusion éternel, là, il est sorti exprès pour magicien sombre, donc bon. Et, pas éternel, et reine. Pas bien vu. Voilà, bon. Et donc, je vais mettre dans le chat le lien vers le replay. Qu'était pas ça? Cyril? On a perdu Cyril. Cyril? Est-ce qu'il est mort? And he is still alive. Cyril, reviens! Ouais, le bousin s'est auto-verrouillé par manque de batterie. Ah, d'accord. Quel bousin? L'ordinateur. Ah, d'accord. C'est ça? Je suis le seul mec qui avait pas compris de nous trois, c'est ça? Ok.
que je reviens jouer ou pas? Ah bah, c'est toi qui sais, hein. Eh ouais. Attendez alors. Pourquoi tu coupes? Tu peux me laisser accès au live comme ça je peux voir ce que t'as en main. De quoi? Mais j'ai pas Tu peux me coupé. laisser accès au live pour me comme ça je peux voir ce que t'as en main parce que moi j'ai un handicap, je sais plus jouer. Oh, c'est un peu facile, hein? L'histoire du handicap parce que je sais plus jouer. Oui, déjà. Hein? C'est peut-être un peu facile, mais c'est la réalité. Hein. Je suis Et que devenu je très sache, mauvais. j'ai pas coupé. Ah Si tu ouais, c'est veux vrai. aller sur le si tu veux aller sur le live ah ça ah d'accord ça non c'est pas de mon fait si ça a coupé my bad Attends, de quoi tu parles? en fait je crois que là on a un dialogue de sourds Ok, on est d'accord que tu m'entends là maintenant. Oui, je t'entends parfaitement. Ok. Et il n'y a pas de délai. Non, il n'y en a pas. Donc quand tu disais t'as pas coupé, c'est à moi que tu parlais. Oui. Ok. Ok. Bon, c'est bon, je suis de retour. Pour vous jouer peut-être un mauvais tour, je vais affronter Cyril. Attends, est-ce que Cyril est encore là? Cyril. Oui. C'est bon, tu es prêt à affronter Arnaud? Je sais pas, attends, parce que le wifi est coupé et je sens qu'il va encore falloir que je redémarre. Ok, bah Ah, tu vas c'est que je ça les la rappelle. c'est ça la Eh couille. ben voilà, mais merde. Voilà. Ouais. Oui, Donc là ouais, j'ai coupé. problème de wifi. Je ne peux plus le relancer lui-même, alors que je. Non, pas celui-là. Oh, allez. Old fashioned. Redémarre une fois. Qu'est-ce que tu vas me jouer? Oh, je pense que tu sais. Un adversaire a rejoint votre table. Très bien. It is time. Adversaire. Affrontons-nous gaiement, adversaire. Ouais, bah ouais, je vais essayer de jouer en premier et on va voir ce qu'on Vous peut êtes faire, hein. joueur en deuxième. Franchement, ceux qui ont fait la localisation du jeu en français se sont un Ils petit ont peu. vraiment chié dans la colle. Voilà. Ok. Ok, c'est une main. C'est une Wait, main et elle actually. existe. Actually, elle est pas si terrible. Automatiquement. Ah non! Ah mais arrête Non, de te t'as pas le plaindre droit. tout le temps comme ça! Oh là là, c'est pas possible hein! Tu peux parler. Moi je me plains jamais, qu'est-ce que tu racontes? Ah non, jamais. Bienvenue sur Radio Carène, ici on ne fait que se plaindre. De quoi tu parles? De qui tu parles déjà? De personne, de personne. Ouais, Attends, voilà, exactement. le wifi est... Non, le wifi ne s'est pas relancé. Non, le wifi ne s'est pas du tout relancé. Ah oui, donc là en fait t'es sur Discord sur ton téléphone. Ouais. Ah d'accord, c'est pour ça. Alors, son effet à lui, c'est quoi? Oh! Moi, je peux l'activer. Parce que Alors, effectivement, mais du coup, pourquoi? t'as pas une Allez, je vais te montrer ça, que du coup, c'est pas grave en soi. alors T'as vu ma carte? Elle est les jolie, hein. serveurs MTG Arena quoi c'est ça vient de quoi? Dans ces moments-là, je me sens
con, vieux et nul. Quand je vois ça. Mais non, il faut pas dire des choses comme ça, monsieur. Oh là là. Oh, tu sais que c'est vrai. Oui, mais faut pas le dire. Il faut être honnête avec soi-même. Alors, ça dégage. Ok, c'est pas mal ça. Ok. Je crois que j'ai fait tout ce que je pouvais. Bon. Alors, du coup, je vais ajouter alors. Toi. Attends, mais je comprends pas, du coup, ça... Ah, putain, il fallait le faire... Ah, oh là 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 là. Oh, mais c'est cassé. Il est mauvais. Mais je suis fatigué de moi. Mais c'est quoi cette main de merde? Eh, m'en parle pas, s'il te plaît. Moi aussi, j'ai eu une main de merde. Ah, mais c'est la mort. Ah, mon Dieu. Je suis obligé de faire ça. Ah ouais, quand même. C'est quelque chose là quand même. On est pas dans le même niveau de haine. Ah non, ça va en fait. Ah non, mais là c'est la haine, frère, c'est la haine. J'aime pas avec quoi j'ai commencé, mais putain, mais j'aurais pu direct aller chercher l'autre et ouais, oh là 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 là, c'est cassé du cul. Trop nul. Ok. Oui, on en est là, plan. Oui. Il y a un plan qui peut se faire, mais là c'est chaud. Ah ouais, mes frères, je croyais que c'était bon en fait. Je croyais que t'allais t'en sortir là. Enfin, m'en sortir. Ça s'appelle une rustine. Ah ouais. Ah, on est sur ce genre de bail. Il y a un Kuribo, carrément. Ah ouais. C'est chaud, là, frère. Shogunai. C'est le concept du Shogunai. Ah, mon Dieu, non. Ah, non. Ça t'a manqué ou pas? Un petit peu. Ah, mon Dieu. Ah, ah là, c'est... Là. C'est bizarre parce que... Bah vas-y, je m'en fous en vrai. Et ouais, c'est un Kuribo, ouais. C'est le Kuribo des liens. Ouais, allez, ça dégage. C'est pas grave, tu peux t'en débarrasser. J'en aurai pas l'utilité désormais. Ok, alors, maintenant je réfléchis correctement. Bon, je tiens quand même à expliciter ce que t'as dit à propos du concept de Shogun. Je vois pas pourquoi tu devrais faire ça. Mais du coup, pourquoi je peux pas faire son truc? Ah, c'est depuis la main seulement. Ok. Bannissez un monstre type magicien depuis votre cimetière et révélez une autre carte. Ok. 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 Okay. Alors, comment qu'on va faire le combo que je veux faire? Déjà, on va aller chercher ça. Mmh. Remercie-moi, camarade, car je suis bon. Thank you. Non, mais me remercie pas vraiment. Moi aussi, je sais faire des liens. Ah. T'inquiète, il y a un plan. Oh, je suis pas inquiet pour ça. Qu'est-ce que tu fais? Je lis les faits. J'ai pas le droit? Non. Zut! C'est un peu interdit en fait. Ouais, ça, le jeu a tendance à le rappeler en général. Si c'est pas le jeu, c'est les joueurs. Ouais. Ok, il faut que j'arrive à en activer 3. Ça, oh, t'es relou! Oh, mais t'es relou! Elles étaient face verso, je pouvais pas savoir. Tac. Ok, comment on va faire? Comment je fais? Parce que, attends, si je fais...
Ah, mais t'es vraiment relou en fait. Normalement, je crois Qu'est-ce que pour avoir fait quand même des compétitions, enfin des tournois IRL, t'as pas le droit de refuser à ton adversaire de qu'il lise l'effet de ta carte. Ah oui, non, t'as pas le droit, hein. Par Bon, ok, contre, on va faire comme As. il y a effectivement des timers dans les compétitions normalement. Au grand mot, les grands remèdes. Mais genre, enfin, les derniers tournois que j'avais fait, il y avait un timer, tu sais, genre un timer global où tous les duels devaient commencer en même temps. Et je crois qu'il nous laissait 20 minutes, quelque chose comme ça. On baigne ça. Ah, merde! Pourquoi merde? Parce qu'évidemment, Tu j'aurais regardes. pu. Tu regardais pas, c'est ça? Non, parce que bah, j'ai pas lu l'effet de ta carte, donc moi je m'étais dit c'est bon, tout va bien. Mais de toute façon, tu pouvais rien faire, non? Il a un effet, l'esprit du dragon blanc. Il est banni. Oui, mais il avait un effet quand il était sur le terrain, justement. C'est pas sur les monstres? Je peux l'envoyer au cimetière pour invoquer spécialement Dragon Blanc aux yeux bleus. Ah! Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça m'aurait évité le désagrément, n'est-ce pas, de le voir finir retiré du jeu. Dommage. Il fallait lire. Zut! Alors, je vais me défaire de toi et je vais piocher. Et du coup, là, c'est bon. Là, je suis bien. D'ailleurs, oui, tu disais tout à l'heure, hein, je suis vieux, je sais pas quoi. Alors, tu remarqueras que je dis toujours retiré du jeu, hein. Dans le genre mec qui est resté bloqué en 2009. J'ai remarqué, ouais. Non mais Arnaud, c'est pas à toi que je parlais. Je parle au chat. Mais j'ai remarqué quand même. Oui, je sais. Parce que j'aime pas Ok. banni. J'en ai combien dans mon cimetière? Ok, Ça dit on est rien pas mal, banni. on est pas mal. Là, on est pas mal du tout. Tata, une fois par tour, on peut bannir. Écoute bien, bannir! En plus, C'est il ça le mot. insiste. En exil, vas-y. Alors, je tiens à dire qu'en japonais, Vas-y, c'est juste. game kara jogai suru. Donc, littéralement, exclure du jeu. Oui, je sais, mais j'ai pas envie de faire comme le japonais. J'ai envie de dire bannir. Oui, mais le bannissement est une forme d'exclusion. C'est pour ça que Parce que dans retirer mon du jeu, pays, ça on marchait bannit. aussi. Hop, et voilà, elle est bannie. D'ailleurs, Enfin tu non, crois les gestes des trucs, mais y a bon. Ok. deux expressions. Enfin, il y a deux expressions. Des fois, ils disent game kara jogai suru, donc retirer du jeu, game. Et des fois, ils disent juste jogai suru. Et donc, c'est juste bannir, quoi. Enfin, exclure. Effacer. Parce que, en plus, dans jogai. Cyril? Non, Cyril est. Oui. Oui, dans Jogai, il n'y a pas l'un des deux caractères qui est Damn. Kessu de effacer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux plus rien faire. C'est un peu Ah, vrai, malheureusement. malheureusement. Jogai, donc Je viens de bloquer le jeu. ou pas. Ah oui, donc c'est ouais, donc c'est le lieu et Ok, mais on s'en fout en fait. C'est pas grave. non, c'est pas grave. Pas un instant, encore. modifier et relancer. Quoi? Il a pas lu. J'attendais avec impatience que tu te rends compte que t'avais pas lu. Non mais c'est laquelle de tes cartes qui a bloqué mon Jogen les spirits. Aucun jeu on n'a pas invoqué spécialement de monstre. Va te faire cuire un œuf Mais en fait, c'est ce que chez les j'essayais de faire depuis Grecs. le tour 1. C'est ce que j'essayais de faire depuis le tour 1, mais j'avais oublié que le livre de magie du destin, il faut l'activer avant d'activer tous les autres livres de magie, parce que sinon ça les comptabilise pas dans ton activation. Et du coup, j'étais en Quoi? mode, vas-y, comment on joue déjà?
Et depuis tout à l'heure, en fait. Tu comprends? Oui, je comprends. Ouais, mais du coup, c'est chiant, en fait, là, ce que tu m'as fait. Parce que du coup, il peut pas attaquer, mon boy. Bon, on va trouver une autre tactique, Quand alors, hein. t'arrives pas à attaquer, tu défends. Putain, c'est profond ce que je viens de dire. J'avoue, c'était très profond, hein. Ouf. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Tu sais, c'est un des grands principes du Catenaccio. On va aller Si je perds pas, chercher. je gagne. Oui, j'ai fait une raid Oh, profonde que j'aurais magnifique. pas dû faire. Ouais, t'aurais pas dû la faire, je suis d'accord avec Ouais. toi. Hop, voilà. Ça, c'est pas dégueu. Que, en soi, j'ai pas besoin de trop me presser non plus ce tour-ci. C'est quand même dommage que mon meilleur monstre puisse pas t'attaquer, hein. C'est con. On pourrait presque croire que je l'ai fait exprès. C'est pas grave en soi. Ah. Mais Ah c'était, je non. t'ai dit que c'était pas grave. Pourquoi tu m'as pas écouté quand je te l'ai dit? Alors, je peux aller en ajouter une de mon deck à ma main. Donc, je Donc vais je en vais pas pouvoir ajouter. activer l'effet de la pierre blanche ancienne. Non, tu ne pourras pas. Sorry. Not C'est sorry. embêtant. Et voilà. Là, on est sur du pas mal. On est sur du plutôt pas mal. Là, on est sur du je gère le jeu. On est sur du c'est comme Damage. ça qu'on devrait jouer le deck prophétie normalement. Bah alors? Non, pas tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe, camarade? Bah, c'est-à-dire que si je peux pas invoquer spécialement, c'est chaud. Je vois. Mais en fait, je t'explique. Tu vas pas pouvoir faire grand-chose quand même, cette fois-ci, encore. Ok. Parce qu'en fait, là, je vais tuer ton monstre. Non mais de toute façon, je sais que je suis au bord de la défaite. Au Donc bon. bord, je sais pas trop si c'est le mot que j'utiliserais, hein. Je vais le perdre ce duel, c'est assez clair. Mais le plus tard sera le mieux. Voilà. Le prochain tour, quoi. La falaise ou le précipice? Hein. D'ailleurs, j'ai envie de Oui. dire, pour déconner, il y a quelques instants, j'étais au bord du précipice. Et maintenant? J'ai fait un grand pas en avant. Et depuis, j'ai J'ai fait un connu. grand pas en avant. C'était vraiment ça. Oui. Mais ça, c'était un gag. Oui, C'est c'en pas est un un vrai. président algérien qui avait dit ça? Je crois que c'était ça l'histoire. Oh, on n'accuse pas les présidents algériens de dire des trucs bizarres. Non, je crois que c'est un truc genre Thierry Leluron. Pour se moquer d'un ministre de J'ai rien mis l'économie, derrière ton main, genre. en fait. Je crois que c'était pour se moquer de Raymond Barre. En disant Tiens, regarde, j'ai nous un étions au pote. bord du précipice et depuis nous avons fait un grand pas en avant. Voilà. Oui, Thierry Leluron. Ce qui nous fait dire que la fin des années 80, ça a été une hécatombe au niveau Hop. touriste. Hein. On récupère ça. Oui. Il y a eu On active ça. aussi. Mince, comment il s'appelait? Il y a eu Coluche, évidemment. Mais... Ben Coluche, des proches. Balavoine quelques années avant. Ah ouais, on a perdu plein de grands noms. Et dans cette partie-là, ouais.
cette partie-là de... On active ça aussi. Alors, c'est... Sans vouloir être désobligeant, hein, le château des illusions envers le chat. Le château des illusions est... mince, j'ai oublié le nom de la grosse citrouille là qui allait avec. Bon. Tomate mystique ? Non. Non, bah non, pas la tomate mystique. Mais c'est pour ça que je me suis corrigé. L'autre là. Tomate mystique. Ouais. Légendaire. Alors après, il y a des plantes apparentées à la tomate qui peuvent donner des... mener à des situations mystiques. Mais... Ça faisait marrer ma mère la tomate mystique. Alors ouais, mais en fait là, j'ai pas envie. Du coup, non. Ça perd le temps. Vas-y, ça dégage. Donc, pour jouer le deck ténèbres et le deck zombie aujourd'hui, c'est plus tout à fait les monstres les plus appropriés. Non. Le château des illusions, il est marrant parce qu'il a 1920 points de défense. Ma première victoire de la soirée. Ah, je suis si fier de moi. Bon, bah voilà, on va s'arrêter là, au revoir. Félicitez-moi les enfants, s'il vous plaît. J'ai été très anti-jeu aujourd'hui. Vraiment, je sais pas si t'as apprécié ce duel, Raphaël. Ça devait être très cool pour toi, je pense. Ah bah, je vais regarder. Hein. je suis allé au bistrot d'en face me prendre une bière, je suis revenu. Je comprends pas pourquoi tu dis des choses comme ça. Non, c'est pas vrai, évidemment. J'aurais pu ouvrir Steam. Ah mais non, mais pourquoi ouvrir Steam quand j'ai directement l'icône du jeu? Je te trouve relativement désobligeant. Moi, j'ai sué sang et eau pour pouvoir faire ce duel, ok? Oui, certes, certes, j'en conviens. Non, faut pas dire que ça, c'est débile. Que bon, j'ai... un dernier duel. Ah ouais, donc tu veux vraiment arrêter là, maintenant, là? Ah, il est 23h43, j'avais même pas vu le temps passer. Voilà. Le temps passe vite quand on s'amuse, j'en conviens. Toutefois... Bon, attendez. Du coup, je vais jouer mon deck synchro. Ah, ça c'est bien, ça, si tu joues synchro. Après, est-ce qu'on peut changer le temps, s'il te plaît? Ah, t'as pas envie de perdre autant? Non, j'en ai marre de perdre autant. Eh, mais je peux pas modifier. Eh bien, on change de salle alors. Oh, je vais devoir dissoudre la salle. Je vérifie. Est-ce que... Oh, là, là. Ouais, non, il n'y a pas beaucoup de temps là, mon gars. Bah, c'est le temps normal, hein. Oui, c'est pas suffisant. La dernière fois, j'ai perdu à cause du temps normal. Bon, je vais dissoudre la salle. Pourquoi je me laisse avoir en plus? C'est toi qui as voulu que je joue mon deck synchro, hein. Du coup, il faut respecter mes conditions. J'ai rien demandé. T'as accepté, t'as été très content, du coup respecte mes conditions. Par contre mec, on est dans l'enfer du bronze là, il faut qu'on sorte. Hein. Oui, je sais. On est des chevaliers de bronze. On dirait les mecs qui commencent à jouer à LOL, tu sais. Ah merde, j'ai oublié d'envoyer. Non, moi j'ai un cousin un peu éloigné. Côté de mon père, enfin après c'est... C'est un cousin adoptif polonais qui est vraiment un gros fan de LOL, mais où ça fait chier mon oncle. T'as un cousin adoptif polonais? Ouais, j'ai une famille compliquée. Après, les familles sont compliquées. Des cousins adoptifs camerounais, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, c'est très bien aussi. Mais apparemment, ce cousin, il a fait une école d'archi, donc balèze. Balèze, mais un peu privilégié aussi, hein. Un peu bourgeois aussi, un peu, hein. Ouais, mais après, en sortant de l'école d'architecte, faut réussir à le trouver le travail. Oui, franchement, tu trouves pas de taf en sortant d'une école d'architecte? Non, c'est assez bouché. Hein. Ah ouais? C'est ce que j'en sais, ouais. Quoi que remarque, je connais une meuf qui est militante à l'UNEF qui a quitté son école d'archi, mais je crois que c'était pas pour... Oh, sa mère, j'ai une main dégueulasse. C'est pas mon cas. Je rigole, en vrai, maman, ça... Ah d'accord, hein, je vois le... Ah bah, j'ai peut-être enfin apprendre à maîtriser un deck cyber ténébreux. Cyril, tais-toi. Malheureux. Oh merde. T'as vendu la mèche. C'est pas grave, hein. Enfin, perso, je m'en fous, tu vas pas pouvoir jouer, j'ai commencé. Merde, c'est vrai. J'ai commencé et c'est bon. Genre, si tu peux pas m'interrompre maintenant, tu vas rien pouvoir faire, hein. Moi, je m'en fous, après. Pourquoi fallait-il que tu aies raison? Il fallait.
C'était très important. Attends, c'est là que j'essaie de créer un suspense à la Hunter Hunter. Raphaël va-t-il réussir à déjouer le stratagème d'Arnaud? Non. Le stratagème d'Arnaud est indéjouable. C'est inextricable. J'en serais pas si sûr. Bah, prouve que tu peux le faire alors. D'ailleurs, là, non, c'est bon, je suis à jour sur Hunter Hunter et il se passe des dingueries. Chut! Je suis pas encore à jour. Je dis rien, mais ouais, vas-y. Après, il y a des chapitres vraiment, t'as envie de dire frère, il y a beaucoup de mots. Ça, c'est le problème de Togashi. Le mec, il part un peu trop dans des explications. T'as votre frère, calme-toi. Électromécanique ? Quoi ? T'as mis dragon électromécanique. Oui, mais c'est pour ça que tu vas voir. C'est vrai que t'as jamais vu ce combo bien fait non. En entier. Mais sinon, ouais. Voilà de quoi rappeler le deck Morphtronic. Qui était sorti il y a un mois, mais que je me sentais obligé d'aller voir, mais qui est magnifique. Tout en étant bouleversant, c'est Close. Qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un film de... C'est un film belge. Oh. Jaco Van Dormel ? Ou pas ? Non. Lucas Dont. Ah, poussière d'étoiles. Je comprends pas. Ouais, palmé à Cannes. Ouais. Donc ouais, il y avait un... Il avait fait un article dans le dernier journal LGBT Mainstream, à Tétu. Ah, t'es tu. Un peu le. Quand tu dis dernier journal LGBT mainstream, c'est pourquoi genre. Enfin, dernier numéro, mais. T'es tu, c'est hyper mainstream en vrai. Oui, mais résultat, ça a plutôt une audience large. Ils réussissent à avoir des ventes relativement bonnes pour un magazine papier. Hein. Oui, et il y a. Tu connais, là Têtu, oui, enfin j'avais vu. Bah, tout le monde a déjà vu une couverture dans un livre. Non, pas moi en fait. Bah, c'est à dire que quand il est sorti, ça. Tu sais, Arnaud, quand t'es journaliste, en général, quand. T'as un petit fétichisme de la presse papier, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc bon. Non. Bah, quand il y a un moi, nouveau journal. Moi, j'ai pas de fétichisme de la presse papier, donc je vois pas ce que tu veux dire. Quand t'as un nouveau journal qui sort, même si c'est dans la presse magazine, bah. Voilà, Arnaud ne fétichise aucune marchandise. Arnaud, il est anticapitaliste, ok? Voilà. Merde à la fin! Hein? Mais Arnaud, tu n'as jamais visité une imprimerie. Et franchement, là, je le dis à tout le monde. Si un jour vous avez l'occasion de visiter une imprimerie, allez-y. C'est génial. Pourquoi tu m'insultes en disant que j'ai jamais visité une imprimerie? D'abord, c'est quoi une imprimerie? C'est quoi du papier? C'est quoi écrire? Et quoi? Déjà, tu m'embrouilles. Ah, t'as déjà visité une imprimerie? Alors, c'était comment? Moi, j'avais adoré. J'étais en primaire, hein, mais c'était une visite vraiment géniale. Rappelle-toi que c'est toi qui as voulu ça, Raphaël. Hein. Je confirme que c'est un deck contre lequel j'ai jamais réussi à gagner. Normalement, j'avais essayé de faire un deck Phantorus, mais il est trop compliqué ce truc. Ah non, il après, est. Les cartes sont... Et puis il est mort aussi, surtout là en ce moment. Ouais. Il était super cool à l'époque, mais là il est complètement mort. Arnaud, ouais, t'es content pour ton chrono? Très. Mais vraiment, rappelle-toi que c'est toi qui as voulu ça. Hein. Moi, j'ai pas voulu ça. Hein. Mais ouais, les dernières couvertures de Tétu, alors il était disponible. Donc celui de l'automne était disponible en 4 couvertures. Et il y avait Lucas Dont sur une des 3 ou 4. Lucas qui ? Lucas Dont, donc le réalisateur de Close, mais qui avait aussi fait Girl, donc un peu fait parler. Franchement, film intéressant et film qui m'a fait dire est-ce que le cinéma français il est pas un peu bête même quand il essaye des gros cerveaux? Bah si, mais c'est français, c'est pour ça qu'on l'aime. Ouais. C'est pour ça qu'on le déteste aussi. Aussi. Mais faut pas le dire. Oh là là, mais j'ai une main par contre. Je sais même pas si on peut encore appeler ça une main.
Après, des fois, il arrive à dire des trucs intéressants, le cinéma français. Ah ouais? Comment? Non! À Saint-Fargeau. Saint-Fargeau-Pontiry, en Seine-et-Marne. Ah oui, bah je crois qu'une fois je devais faire une sortie, mais c'était avant que je déménage, et je crois qu'à un moment où je devais aller là-bas, enfin j'étais supposé aller là-bas si j'étais resté dans cette primaire du 7-8. Mais je me demande si c'est pas à cette imprimerie que je suis allé aussi. Étant donné que j'ai quand même un petit peu grandi en Seine-et-Marne. Oui. Et que Saint-Fargeau-Pontiry, c'est pas très loin de là où j'ai grandi. Ouais, ça devait être celle-là. Et genre à la sortie, ils avaient mis des magazines et on pouvait prendre un magazine qu'on voulait. Non, mais après mes potes qui étaient en Seine-et-Marne. Il est chelou son extra deck. Hein. Ah bah voilà. Non, mais j'avais des potes aussi qui vivaient en Seine-et-Marne, des potes de colo, des potes d'il y a longtemps. Hein. Non, mais je savais déjà que t'avais mis Elle Noire, machin truc. Hein. Ah oui, c'est vrai, tu l'avais vu. Apparemment, Raphaël ne connaît pas Ceris. Ou... Quand j'ai mis Timing. Ok, on est sur du pas mal là. J'avais eu l'occasion d'avoir à la sortie le regretté Lucasfilm Magazine. Magazine qui n'existe plus. Donc. D'accord. Bon, voilà quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est la merde. Je vois pas de quoi tu parles. Trois monstres à 4000, lesquels sont ultra chiants. C'est pas fini. Je n'ai pas fini. Est-ce que t'as la rêve, Cyril? Dis-moi que t'as la rêve. Je n'ai pas fini. J'aime bien un truc, mais... Le dessin animé Jackie Chan. Ah oui. Le grand-père. Je le matais à l'ancien. Oui, ça y est, maintenant, j'ai la rêve. C'est magnifique. Oui, c'est bon. C'est ça qu'on voulait. Je n'ai pas fini. Il était marrant, ce dessin animé. Ah, il était incroyable. Je l'ai regardé à l'ancienne. Là, en ce moment, je suis en train de remater Funky Cops, qui était un vieux. Oh mon dieu, Funky Cops! Oh, à l'ancienne de l'ancienne! Oui! Genre là, en un tour, tu m'as invoqué 15 000 points d'attaque. Moi aussi, j'ai retrouvé, mais alors après, c'est toujours compliqué d'en trouver les épisodes de Moot Moot, mais c'était aussi une série animée trop bizarre faite par Eric et Ramsey. Il passait sur Canal Plus à la fin des années 2000 et qui partait en yuck tout le temps. Parce que c'est du Eric et Ramsey. T'as invoqué 15 000 points d'attaque et 45 niveaux. Y'a un problème? Non. Le mec, il a. Non. Il a sorti la brigade fantôme du Yu-Gi-Oh! Là. Les rats, c'est cool, ouais. Y'a un problème? C'est toi le problème. Ouais, non, vas-y, je sais. Y'a pas d'agent, monsieur le problème. De toute façon, il y a un moment où tu vas m'annuler un truc et je pourrais plus rien faire. C'est bon. Il y a pas un moment en fait, il y en a trois. Non, quatre en fait. Qu'est-ce que tu viens de faire? Non, je voulais pas. Bon, là, vas-y, c'est pas grave. Ah, de toute façon, si je commence à annuler tous les trucs, tu pourras pas jouer, ce sera pas drôle. Bah, de toute façon, j'ai déjà perdu. Alors, non. Non, Crudor, je parlais pas des rats, je parlais de Moot Moot, donc une vieille série Canal+. Mais les rats, c'était sympa. Ouais, mais j'avais pas connu à l'époque. Bon, là, par contre, pas d'accord. T'avais pas vu sur Canal J? Bah, je regardais pas Canal J. Non, le truc, c'est qu'en fait, j'ai un petit retard mental. T'as pas regardé Canal J quand j'ai un certain retard affectif, et du coup, les trucs de grand, j'ai commencé à découvrir vers 9 ans. Du coup, j'avais pas envie. Ah oui, Arnaud, je réitère mon insulte de tout à l'heure. Va te faire cuire un œuf chez les Grecs. C'était quoi ton insulte? Je viens de la sortir. Ah non, mais là non plus, en fait, j'ai pas envie, tu vois. Mais je sais. Cyril, t'as vraiment raison, c'est la brigade fantôme. Non, c'est même pas la brigade fantôme, tu vois, c'est Crollo Luc. Wesh, on va détruire. Oui, c'est Crollo, ouais, c'est ça. C'est vraiment Crollo. Et encore, y a pas de... Ouais, ce serait vraiment Crollo si t'avais une carte qui permettait de lui envoler une à lui. Ça s'appelle Monster Reborn. Wesh, le mec, il peut revenir comme ça. Ok.
Parce que ouais, c'est ça. Alors oui, je crois que c'était sur Trash qui disait qu'il avait fait une vidéo sur comment battre ces trois méchants d'Hunter x Hunter. Et selon lui, la faiblesse de Crollo, c'est qu'il a tendance à faire durer les combats pour essayer de voler l'haine des gens. Ce qui explique sa défaite face à Zeno et Silva. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une défaite en vrai? En vrai de vrai? Non, non, parce qu'en fait c'était truqué. Parce que je sais pas si je crois que j'avais pas expliqué dans la chronique ce qui s'était vraiment passé, mais en fait, c'est Zeno met 30 pêches à Crollo, Crollo se vautre dans les décombres. Et puis Silva reçoit un appel de ses deux fils qui disent oui bon bah en fait on avait une mission, on devait éliminer les dix parrains de la mafia qui étaient en fait vos employeurs. Non. Et donc en fait c'est Zeno et Silva qui disent à Crollo en fait non on va pas t'achever parce que nos employeurs ils sont plus là donc. Mais surtout en fait moi j'avais plutôt l'impression qu'ils allaient pas pouvoir l'achever en fait parce que en vrai le mec il a sorti aucun de ses vrais bails tu vois. Il était vraiment truc, ouais. Tu vois. Ouais. J'ai vraiment envie d'invoquer le robot guerrier, en fait. Mais, Arnaud, ça quoi n'est pas nécessaire. Si? Ah, j'ai fait le truc dans le mauvais sens, j'aurais pu juste faire ça d'abord et ensuite aller chercher mon robot synchronique. C'est pas grave. C'est pas grave parce que non si c'est grave en fait je vais pas pouvoir invoquer le robot guerrier du coup je suis la déception. Et ouais j'avais pas fait de chronique du coup sur les fourmis chimères mais alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de références à du cinéma d'horreur dans les fourmis chimères, notamment à l'univers alien. Ah c'est pas impossible tu vois. Entre xénomorphes et fourmis chimères il y a pas mal de similitudes. Alors, quand même, entre robot guerrier et dragon quasar filant, je garde une préférence pour le dragon quasar filant, j'avoue. Tu veux que je te finisse avec le dragon quasar filant, donc? Mais il n'y a pas de problème. Tu m'achèves pas avec. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, pardon. Le mec, tu m'achèves pas avec. Bah si, si. Franchement, Cyril, tu m'as donné une bête idée. Je vais renommer ce deck la Brigade Fantôme de Yu-Gi-Oh. Non, parce que, genre, vraiment, quand j'ai sorti tout mon combo, j'étais en mode, ah ouais, mais il a vraiment raison, en fait. C'est vraiment la Brigade Fantôme de Yu-Gi-Oh. Tu sens le naine de spécialisation dans le deck. Mais en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est pas la Brigade Fantôme. Mon deck, c'est Kurapika, en fait. Oui. Alias le naine de spécialisation le plus cheaté de tous les naines de spécialisation qui sont déjà cheatés de base. Alias toi je t'aime pas, du coup tu peux pas utiliser ton naine, je suis désolé, c'est comme ça. Oui. Ah attends, on va le renommer tout de suite. Eh bah vas-y. En attendant je vais quand même dissoudre la salle. Et je à la base il s'appelait Yusei Fudo, mais du coup on va l'appeler Kurapika. Gagné. Yusei Fudo, oui, tout à fait. Qui connaît bien la ville de Hong Kong. Hong Kong, le port des parfums. Non, c'est mais quoi ton problème, toi? Fudo, Yusei. Ah, quels sont les grands dialectes du chinois, tiens? Puisqu'on parle de. Non, Cyril, de on va pas commencer ça à minuit une. Je suis désolé. Mais le réveil sonne tôt demain. Ah oui. Et j'aimerais bien me lever. Voilà. Je vois pas de quoi tu parles. Hop. Trois fois rien. Bon. Eh ben en tout cas, merci messieurs d'avoir animé ce live qui était donc très animé au final. C'était l'avant-dernier de 2022 et non pas 2022. Bonne nuit. Voilà pour la suite des lives. Normalement, il y en aura un dimanche ouais. dans l'après-midi, soirée, je sais pas encore. Normalement, je reçois l'ami, mais bon, alors je peux le faire à distance ou me barrer. Oui, non, heures. Mais t'inquiète, on va se débrouiller. Non, pour moi, je serai là en plus. Pour ne rien rater des lives, et bah voilà, la solution miracle, c'est de faire un petit follow. Voilà. Ce live sera disponible en replay. Très vite sur la chaîne YouTube de LVE, donc le lien est dans la description de notre chaîne, normalement je crois. Et voilà,
On se retrouve tout bientôt. Je vous invite à aller jeter un œil au Twitter sur lequel on annonce les prochains lives et Facebook. On se retrouve dimanche si vous le voulez bien. D'ici là, je vous dis à tous bonne soirée. Puis si vous voulez pas, c'est pareil. Hein. Voilà, c'est ça. On se dit à dimanche pour le dernier live de 2022 et on se retrouvera en pleine forme en 2023 avec au milieu de tout ça, normalement, quelques vidéos YouTube qui sont en préparation. Voilà. Normalement. Donc, chers amis, je vous dis même plus bonne nuit parce qu'on a changé de jour. Donc, bonne journée en oui. fait à tout le monde. C'est ça, on est dans le Shinya Bangumi. Ouais, c'est quoi l'émission du soir, mais late show quoi. Ah, ok, ok. Very late show en fait. Ouais. C'est All Night Nippon par exemple. Et, sauf qu'on va pas faire un All Night là. Ça coûte trop cher au karaoké. Ouais, on n'est pas Alain Chabat. Hein. C'est ça. Bon, allez. Bonne nuit, tout le monde. On se retrouve tout bientôt. Bonne nuit à vous, Arnaud, Cyril. Je compte sur vous dimanche, donc. Et puis, c'était un grand plaisir de faire mon grand retour. Le comeback. Le comeback sur Yu-Gi-Oh! 2023 aussi, on fera du Yu-Gi-Oh! Hein. Faut pas s'inquiéter. On en fera peut-être du un peu plus. Hein. On essaiera peut-être de faire avec plein de decks rétro et tout, des trucs pas trop compliqués à construire, genre qui demandent pas 300 milliards de super et d'ultra par exemple. Ouais. Mais ça pourrait être super drôle, tu vois, avec genre des decks de l'anime rétro et tout. Ah ouais, j'approuve. Voilà. Allez. Tu sais, les tours qui où tu mets juste une carte. Oh là là. Oh là là, c'était quelque chose ça. Ça remonte 20 ans en arrière, mais c'est pas grave. Allez. Bonne nuit tout le monde. On se retrouve dimanche pour ceux qui veulent. Et puis sur les réseaux. Voilà. Allez, je vous dis à tous, portez-vous bien et ciao.